Hey yo tout le monde, c'est Narcisse, on se retrouve pour le troisième épisode de Suicide Guy. Est-ce que Jean-Marie va sauver sa bière? Va-t-il réussir à se suicider pour sauver sa bière? Eh bien, on va le savoir immédiatement. Et ça, c'est beau. Bao, bao, bao. Alors, on en était où déjà? Pef. Ah oui, c'est vrai. Du coup, bah écoutez, c'est parti. Ah, ok, il retourne. D'accord, et en plus, je lance une vidéo YouTube. C'est parfait. Alors, je disais donc. Donc là, à mon avis, ça va être un truc du genre. Une casse auto, en fait. T'es sûr que ça va être une casse auto? Alors, à quoi ça sert ce gros bouton? Ah ouais, d'accord. Faut que j'aille là-haut, en fait. Je vais aller là-haut. Ah, je peux conduire la voiture. Voilà, la voiture on la met là. Je pense qu'il faut piloter ça. Qu'on fasse ça et puis qu'on fasse. Je sais pas trop quoi du tout. Voilà. Ah, bah ça a marché. Faire quoi avec ça? Ok. Et si... Tout simplement... Où est la voiture? Allez là. Et si tout simplement... Mesdames et messieurs, il suffisait pas d'utiliser... cela comme une rampe. Attendez. Et ce serait... Voilà, ça ressemble carrément à une rampe, hein. L'aile. J'ai pas du tout regardé sur internet. Putain, mec, je suis une grosse quiche. Ah, je suis pas spécialiste du suicide, moi, hein, vous m'excuserez. Mais... Hop, on va se mettre en position. On va l'activer, la presse. Et on va décéder comme un enculé. Chapati. En espérant... la machine se casse pas. Ah, il reste pas bloqué ici, c'est pas trop ridicule. C'est parti. En avant les amis. Non, j'étais trop lent. Non. Mais ta mère la paix. Putain, fais chier. Ah, je suis dégoûté. J'étais un poil de couille, quoi. On y était. C'est parti en avant. Gérolimo. C'est bon. Jamais décédé, bande d'enculé. Non, ma vie est nulle. Ah. Ah, c'était bien sale. Ah, mission suivante. Le magicien, apparemment. Bon, bah, sympathie, hein. Est-ce que le but serait pas de faire une potion? Un poulet plus un lapin plus un rat. Ok, d'accord. Laura, on l'a capté. Ah bah là. Le poulet. Putain, la soupe. Ensuite... Ah, le fromage. Le fromage, j'imagine que c'est pour le jeu. La souris. Ah, tu vas mourir. Ah, mais elle est trop mignonne. Je peux pas lui faire ça quand même. Bah si. Alors nous visions donc une poule, un rat, un lapin, un os. Un lapin, un os. Ah, ah, ah.
parce que les lapins n'apprécieraient pas, par le plus grand des hasards, du fromage. Petit lapin. Ou alors des carottes, est-ce que j'ai une carotte? Est-ce qu'éventuellement je posséderais une carotte? On va désactiver la musique un peu parce que... Alors attendez. Ça c'est embêtant, ouais. Où est-ce qu'il pourrait être l'os? Ce qui manque l'os, c'est le lapin. Os. Lapin. Si je mets fromage. Et si la solution... Oh putain. Oh putain. Oh putain. Pour faut niquer sa race au lapin. Un lapin. Je t'ai attrapé là. J'ai un lapin, enfin, je suis content. Lapin, et il manque encore l'os. Oh là, c'est génial ce jeu. Putain mec, tu peux mourir des manières mais complètement what the fuck. Un cimetière, il y a quoi au cimetière en général? Peut-être me falloir une pelle. Il a pas l'air d'y avoir deux pelles hein. Ah l'eau est bien faite et l'aile. Où est-ce que je pourrais trouver un os? Ah c'est qui arrive dans le cimetière, on est d'accord. Alors, la map serait pas aussi grande s'il y avait pas un truc au bout. Ah. Ah. Pas du tout. Il n'y a absolument rien. Mec, l'os. Attends, il y a un chemin. Est-ce qu'il serait pas là? Ah, ah, j'ai trouvé l'appel. J'ai trouvé l'appel. Oui, c'est comme ça qu'on pose. Ah, c'est génial. Bonjour, je viens de te récupérer un petit os. Bon, celui-là fera l'affaire. Ah. Voilà, merci, allez bientôt. Hein. J'en fais mieux en connaître. Bah voilà, c'était facile. C'est ça, regarde des tutos, l'aile. Voilà. Et maintenant, le dernier ingrédient, c'est le bouquin. Voilà. Et maintenant. Bah voilà. D'accord. Mission suivante, on a combien de minutes d'ailleurs? On est à 17 minutes, on va dire qu'on est à 14 à peu près. On va faire... c'est un volcan ça? Non, non, c'est ça, ça ressemble au cirque. Okay, je sens qu'on va se faire bouffer par un tigre dans celui-là. Ou par un lion. Ah, alors plus tu fais de points, plus t'as des trucs sympas. Pour avoir des points, il faut mettre des choses. C'est faux, pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Ah bah non, bah ok, le cirque, bah, tu fais les jeux du cirque, enculé. Game Station. Ah oh, d'accord. Bah. Comment on lance? Ah d'accord.
plus qu'une bite. La track. J'en touche là. J'ai eu un point. J'ai plus de balles. Ah, ça marche. Ça marchait. Ah, un ticket. Ah, j'ai un ticket. J'ai un ticket qu'on va mettre là-dedans. J'ai un point. Ensuite, on va taper le plus fort possible sur cette grosse boule. Mais j'ai rien fait. Ah, ça c'est parce que je suis gros. Ah, mais ça se fait carrément pas. Ouais. On va faire ça 10 000 fois, on aura 10 000 points. Hein. Mec, ça va être super long. Game Station, c'est complètement vide. Oh putain, ça fait flipper. Oh putain. Oh, ça c'est cool aussi. Ah, je crois que ça marche pas. Mais y a pas beaucoup de jeux en fait. Hein. Et attends, c'est après avec le lance-pierre, je vais faire quoi? Ah, peut-être pour les. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon, je sais. Par contre, je sais pas comment on va mourir bah, avec le lance-roquette. Bah, attends, il nous offre un lance-roquette et il y a quoi que ça le choque? Ah putain, on se rappelle tous de cette magnifique chose. Ah non! Putain, j'ai peur. Trickshot. Oh, ça passe, c'est beau. Ah, j'ai un ticket de sang. J'ai un ticket de sang. Tu as une mitrailleuse. Oh putain. Le jeu est génial. Ah, j'ai un ticket à 5000. On va refaire une partie. Facile quoi. Ah là là, mais donnez-moi du challenge un peu. À moi le lance-roquette. Je sais pas que ça sert, ça se trouve, il faut même pas faire ça. T'sais. Bon, dans la logique, oui, ici en fait, parce que dans la logique. Bah voilà, tout simplement. Suffisait de se suicider. Allez, on va faire encore celui-là et on va se quitter. Putain. 20 minutes, c'est pas mal, je pense qu'il y aura quelques épisodes. Oh merde, c'est quoi ça? Ah, j'ai besoin de la vache. Ah, où la vache? Ah, ok. Ah, attendez, hop. Mademoiselle, je vais vous déplacer
sur ce trampoline. Et une grosse fesse. Et voilà. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, le frigo. Le frigo qui a passé crème. Voilà. Ce frigo, pour le détacher, il faut faire des choses bien sales. Comment on monte? Ah mais je sais, je suis con. Bon, ça se déplace pas. Sachant que la seule source de lumière est cette lampe à LED de 1992. La vie est nulle. Ah mais attendez, on va monter sur la grosse. Excuse-moi Gisèle, je voulais pas t'embêter mais... Mec! Mais va niquer ta mère! Ta mère de vache. Comment je monte dessus? Avant ça marchait, what the fuck. C'est un jeu bien chiant. Alors du coup avec cette lampe je ne peux rien faire. Avec cette lampe, je peux même pas escalader. Bah si, bon, je suis passé. Mais c'est sérieux, bon bah c'est quoi. Un petit amusement. Ah, la caisse n'a pas bougé d'un poil. Comment je peux faire? Ah, ça marche pas comme ça. Une loupe, logiquement, ça sert à me faire brûler des choses hein, dans les jeux vidéo, on va pas se mentir. Attendez, j'ai vu un truc, mon gars. Je crois que vous allez halluciner. Allez, viens, ma grosse Brigitte. C'est un problème, par contre. Vous allez, mais halluciner. On relève ça. Gisèle. Ah oh, putain, c'est chiant. Ça fait chier. J'ai la solution. La solution est tout bidon en fait. Voilà, déjà on fait ça. On vient là, on prend un peu, on revient là, c'est bon, nickel. Jean-Marie Lavache, Gisèle Lavache, comme on l'aime à l'appeler. Son rêve, c'est d'aller dans l'espace. Regardez-la, elle est belle. Dans l'espace, tu vois. Elle l'a dit en plus. Donc, logiquement, si je fais ça et que j'appuie sur ce gros levier. Elle s'en va vers d'autres cieux, telle la Team Rocket. Cet objet étant complètement détruit maintenant. Oh. Attendez, est-ce que j'ai ma petite idée quand même? Merde. En vrai, j'ai pas fait une connerie actuellement. Ah non, j'ai une idée. Je pense savoir c'est quoi. Oui voilà. What? C'est quoi tous ces pétards là? Oh, t'es sérieux mon gars? Ta ta la la la. Putain, ça c'est chiant par contre. Jean-Marie la loupe. Parce qu'il faut pas oublier que cette loupe. Aïe. Allez monte. Monte bordel. Merde.
va logiquement mettre le feu à la tout le bordel. Et puis au bout d'un moment, bah, ça devrait exploser en fait. Ceci, ça va exploser. Ah, cet homme est fou. Et donc nous sommes à peu près 35 minutes de vidéo. On va se quitter là les gens. J'espère que ça vous aura plu pour cet épisode 3. Je vous dis à bientôt tout le monde. À la prochaine.